merci, mon cher Grégory, de cette invitation. Je t'avais dit qu'entre deux AG, je tenais absolument à être là aujourd'hui pour votre convention nationale. Eh bien, je le suis. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester ni cet après-midi, ni ce soir. J'espère que pour vous, il y a une grande fête. Mais en tout cas, avec tous les amis qui sont là, chers adhérents, chers amis, chers tous, en tout cas, voilà, je suis vraiment, encore une fois, de tout cœur, ça c'est sûr. Mais en tout cas, avec toute ma volonté et toute notre pugnacité, notre combat pour défendre l'ensemble de nos fédérations, et en tout cas de nos fédérations intégrées, dont évidemment Pôle Habitat, que l'on suit et que je suis d'une façon très rapprochée avec Grégory. Et je peux vous dire que le combat n'est pas fini, vous le savez. Je n'oublie pas les partenaires, bien évidemment, et puis tous les mandataires et tous les gens qui nous accompagnent, dont j'ai croisé deux, trois journalistes qui, je suis sûr encore, rendront compte avec exactitude, comme d'habitude, je l'espère, en tout cas, tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, très heureux d'introduire ce grand débat de votre convention, d'abord parce que le thème de la table ronde est ambitieux, logement responsable cherche politique entreprenante. Comment introduire ça, à vrai dire, de ma part ? J'avoue qu'avec mes conseils, j'ai un petit peu hésité. Il est vrai qu'on demande beaucoup au secteur, peut-être trop depuis quelques années. Il nous faut produire du logement de plus en plus vert, de moins en moins consommateur d'espace, adapté aux besoins des ménages, qualitativement, quantitativement, financièrement et, bien évidemment, géographiquement, en toute mobilité. Il nous faut aussi rénover, notamment énergétiquement, avec des exigences de résultats, tout en tenant compte, bien évidemment, des coûts, le nerf de la guerre. Le toujours plus règne. Ainsi, la RE 2020 vient d'entrer en vigueur, mais déjà nous parlons de quoi ? On met en place une nouvelle norme qualité intrinsèque du logement, portée par le Pinel Plus, ou le Plus 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 Plus. Un petit coucou à Sylvia Pinel, malheureusement. On annonce la REP pour le 1er janvier 2023, la REP recyclage élargi aux producteurs, sur laquelle nous travaillons, vous le savez, d'arrache-pied avec les services techniques de la FFB et environnementaux. On crée un nouvel intermédiaire, le fameux « Mon accompagnateur rénove » pour nous aider, dit-on, à mieux rénover énergétiquement. Pourquoi pas, on verra à l'usage. Tout cela, malgré les crises à répétition sur les matériaux depuis la fin de 2020 et malgré une inflation qui pénalise nos clients potentiels. Là aussi, c'est le nerf de la guerre. Alors, un nouveau gouvernement se met en place, petit à petit. Je disais hier soir que nos amis belges ont vécu pendant 541 jours en 2010 sans gouvernement. J'espère qu'on ne battra pas le record. Mais les ambitions que je viens de citer appellent effectivement à une politique du logement entreprenante, rapide, et c'est un euphémisme, ça nous a beaucoup manqué ces derniers temps, ça fait 2 mois qu'on patauge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle intervenir sur ce sujet devant vous aujourd'hui est une gageure, et je souhaite bien du courage à tous vos intervenants. Je ne leur mets pas la pression, évidemment, mais quand même un petit peu. Malgré le poids mis par la filière dans les campagnes présidentielles et législatives, vous le savez, toutes les actions qu'on en a fait, d'ailleurs avec vous, avec Grégory, aussi en Pôle Habitat, la question du logement est restée pour le moins discrète, quelquefois totalement effacée, justement par certains qui sont aujourd'hui au gouvernement, malheureusement. En la matière, nous manquons donc de visibilité sur un programme du nouveau gouvernement précis. Nous n'avons que quelques bribes aujourd'hui. Je puis toutefois vous rappeler 3 grands combats que notre fédération, tous ensemble, sur lesquels nous avons déjà commencé à nous faire entendre depuis quelques semaines avec les nouveaux gouvernants, avec les nouveaux ministres, avec la nouvelle première ministre. Le premier concerne la construction neuve qui, nous le savons, décroche. De multiples raisons l'expliquent. D'abord, la confrontation entre volonté politique de réduire le modèle pavillonnaire au profit de plus de densité d'une part, mais du refus de cette densité par certains ménages et par les édiles qui les élisent d'autre part. À ce propos, on note que la fameuse zéro artificialisation des sols nette, décidément
bien compliqué, sûrement trop compliqué, sert d'argument pour refuser des permis dans les zones rurales, mais comme aussi dans les métropoles. Le marché se trouve aussi pénalisé par des surcoûts de la RE 2020 non compensés, notamment dans l'individuel. Ce qui est d'ailleurs l'individuel, le traditionnel refuge de la primo-accession, souvent avec nos concitoyens, les modestes et les plus modestes. Enfin, pour clôturer aussi le tout, au niveau pécuniaire, la contrainte HCSF pèse sur ces mêmes ménages, comme d'ailleurs sur les accédants qui souhaitaient s'endetter pour réaliser des travaux aussi de performance énergétique. La FFB s'attelle donc à convaincre qu'il faut urgemment traiter la crise du neuf avant qu'elle ne débouche sur une crise du logement social, sociétal, tout ce que vous voulez. Le second combat consiste à adapter notre modèle de fonctionnement collectif à une économie entrée dans une nouvelle ère inflationniste. La filière s'efforcera de travailler groupé, solidaire. Si l'un de ces maillons craque, c'est la fin de l'ensemble du modèle de la construction. Je le connais comme moyen d'y parvenir. Partager l'effort tout au long de cette grande filière qu'est la filière de la construction. Je n'entre pas trop dans les détails, mais cela passe par des engagements de modération à l'amont et par une indexation bien pensée des prix de marché, évidemment, à l'aval. Les assises du BTP annoncées par Bruno Le Maire devront traiter de ce travail de toute une filière, s'inscrivant de ce point de vue en droite ligne aussi des états généraux de la construction de la FFB et des assises des métiers de la FFB pour la même chose. Le dernier combat revient à trouver la bonne trajectoire pour notre secteur dans le cadre de la stratégie française pour l'énergie et le climat. Disons-le tout de suite, malgré ce que certains souhaitent, nous ne pouvons pallier les carences des autres secteurs. Mais, indéniablement, nous devons être ambitieux, plus ambitieux encore que nous le fûmes jusque-là. Or, nous avons démontré notre capacité à relever les défis de ce type, et à force de résilience, nous sommes devenus très agiles. En matière de politique entreprenante du logement, la tâche de notre syndicat tous ensemble s'avère donc bien remplie. Elle l'est parce que nos entreprises ont démontré leur capacité à aller toujours de l'avant et à voir toujours plus loin. Je pense que cette table ronde, qui va débuter dans quelques secondes, sera une nouvelle fois l'occasion de le démontrer malgré l'adversité, parce que nous sommes tous des chefs d'entreprise libres et surtout engagés. Bonne convention, Paul Habitat, vive la FFB et vive le bâtiment. Merci.